Mais ce que je ne comprends pas, c'est que... Comment quelqu'un comme Mazoudé peut mourir, prêt à être enterré? Et il n'y a aucun groupe de musique qui joue ici. Hein? Tu parles comme si tu ne savais pas. Ou ne te souviens de ce qu'il a dit? Il a dit que le jour qu'il mourra, sa cérémonie d'enterrement doit être simple. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens de ça. Et d'ailleurs, en fait, on a brisé l'une des instructions en le mettant à la morgue. Merci. Oh, ça c'est quel genre d'homme riche? Ça c'est quel genre d'homme riche? Hein? Écoutez, les enterrements des autres sont grandis de pleine couleur. Regardez cet endroit. Laissez ce qui est pauvre. Ça c'est sa volonté. Nous devons respecter sa volonté. Il a dit qu'il ne voulait pas que son argent soit dilapidé ou gaspillé à sa cérémonie d'enterrement. Alors faisons ça comme ça. Respectons ça, oh. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant le corps de notre ancien bailleur. Je suis sûr que si les morts pouvaient parler, notre bailleur ne sera pas content de ce que nous faisons maintenant. Mais nous faisons ceci pour que nous ayons l'opportunité pour rendre un dernier hommage à un homme qui nous prenait comme ses enfants lorsqu'il était encore en vie. Mes frères, que son âme repose auprès du Seigneur dans une paix parfaite. Amen. C'est pas encore là. Peut-être qu'ils sont en train d'essayer de le faire sortir de la morgue. Tu connais le protocole? Quel protocole? Quel protocole? Dès que tu payes la facture, ils te remettent le corps. Quel protocole? Écoutez, Max, ok. D'après ce que j'ai déjà vu jusqu'ici, hein, mon esprit me dit que ces gens ont reçu des instructions depuis la ville de ne pas l'amener ici. Ce n'est pas possible. Je te le dis pas. Ce n'est pas possible. Je te le dis par expérience, non. Ok. Ce n'est pas possible. Hein? De... Max, ce que ça veut dire, c'est que nous avons passé de boissons et de nourriture dans cet enterrement au vu des choses. C'est pas possible, ça. Laisse-moi te dire, les Oumouna se sont déjà préparés. Hein? Ils sont prêts, non? Hein? Donc, que ces gens portent de la boisson ou pas, nous, on doit boire pour nous. Oui. Oh, regarde-moi. Peu importe le mauvais état du cadavre. La boisson doit être partout. Oui. Et spécialement pour des gens comme nous. Vous savez, qui sont-ils? On doit boire, non? C'est pour cela que nous prions. Afin que Dieu, dans sa miséricorde infinie, comble son épouse, notre maman, de grâce et de force, pour pouvoir continuer. En cela, nous prions au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, il nous reste un seul lieu pour amener ce corps, qui est la troisième maison de Masoudi. De là, nous irons au village, parce que les gens nous attendent là-bas pour l'enterrement. Merci. On y va.
Attends. Il paraît que ce monsieur n'a pas voulu qu'on fasse ses obsèques comme ceux des autres grands hommes. Ha! Il a voulu qu'on vienne seulement l'enterrer et que les gens rentrent chez eux. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Si c'était un autre grand homme comme lui, il tuerait des chèvres. Ils appelleraient un groupe de danse. Ensuite, il ferait venir ce gros camion avec réfrigérateur à l'intérieur qui remplirait de beaucoup de vin. Certaines personnes mettraient l'uniforme selon leur relation avec le disparu. Hey, par contre, ce cas ressemble aux obsèques des gens pauvres comme toi et moi. Ne me tente pas, oh. Qui t'a même dit que je suis pauvre? Pas ces fruits. On les reconnaîtra. C'est de toi et moi dont je fais allusion. Pardon, laisse-moi aller où je vais. C'est quoi pardon. Cette histoire? Depuis 3 mois,
Depuis que je suis mort, on m'a mis à la morgue. Je suis resté dans un frigo. Aujourd'hui, que vous avez décidé même d'aller m'enterrer, vous vous baladez même partout. Et ça, dans toute la ville. Les gens se maltraitent même comme ça, pourquoi non? Au moins, c'est moi, ils sont dit que. Enterrez-moi tranquillement, non? Aïe, à tous les belles, à tous les belles, à Horop. À tous les belles, à Horop. Et vous êtes en belle, comme si j'étais un gamin. Un holoudé. Ma goudé. C'est même quoi toute cette souffrance? Hein? Dala, sans problème. On nous gâte une Jeff, gagne fini Jeff, on a la gawane. Continuez le marché avant que tu rimes. Moi, je vais vous attendre une fois là-bas au village. Vous allez m'enterrer là-bas sans problème. Moi je m'avance. Cette chose que j'ai envie de faire, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Oh. Vous savez, parce que je suis une personne très timide. Oh, il fait les mains. J'ai pas le choix, je dois le faire depuis que nous attendons l'arrivage du corps. Et comme ils mettent tout le monde le temps, ils mettent tout le temps à arriver. Commençons à nous divertir avec ce petit vin. C'est vrai. Qu'attendons-nous? Parce que maintenant que le corps n'est pas encore là, c'est le moment pour nous de nous amuser un peu. Parce que quand le corps va arriver, on pourrait même ne pas avoir du temps pour ça. Vous voyez, non? Donc mieux on voit maintenant. C'est la vérité, c'est la vérité. Moi, je suis humble, hein? Max, ouvre la bêtise là. Voilà. Enem, ces gens ne sont pas encore arrivés ici. Est-ce que c'est le soir qu'ils vont l'enterrer? Peut-être qu'il y a beaucoup d'embouteillages sur la route. Quel genre d'embouteillage? Mais ils devraient déjà être là, non? C'est vrai, oh. Mais je pense qu'ils seront là bientôt. Allons nous asseoir, on les attend. Oh, ouais, Daïra. Anna, déconne, viens pas s'asseoir. Attendons, non. Au gars, où allez-vous? À l'agence. Quel gars? Obouéga Bouézé. Au gars, montez, je vous amène. Au gars, qu'avez-vous mis dans vos crenets comme un cadavre? Et ton problème, c'est quoi? Ebouré Wale Waiwa DJ. Tous ces êtres humains qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Là où je viens, on se mêle de nos affaires. Hey, j'ai failli porter un cadavre! Au gars, où allez-vous? À la gare. Quel gare? Pourquoi me regardes-tu comme ça? On s'était déjà vu avant. À ce moment à la gare, je m'en vais à la gare de Obouéga Ngwézé. Au gars, c'est 500. Ego de Ngwéna Ngwéna Konte Bouégou.
S'agit-il de l'argent des vivants ou l'argent des morts? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai la devise des morts. Là où je viens, on n'utilise pas le naira là-bas. Je ne suis pas mort. Non. C'est moi qui suis mort. Et je fais comme ça, là, on va m'enterrer. Que Dieu ne plaise. Seigneur! Elinye ne merida. Oyawuye wagona wuna burije. Oga, tu ne m'as pas encore payé, non? Tu pars déjà. Tu veux quelle monnaie? Que veux-tu dire par quelle monnaie je veux? Ton argent, c'est seulement 500 naira. Je n'ai pas le naira. Là où je viens, dans le royaume des morts, nous n'utilisons pas le naira là-bas. Tu parles de quoi, là? Pourquoi me regardes-tu comme ça? N'as-tu jamais vu un homme qui est mort? Un faux mot? C'est quoi quel type de faux de ça? Hein? Regarde, je suis pas en train de jouer, hein? Je ne blague pas. Je m'en fous pas mal de ce coton que tu as mis dans tes narines pour soi-disant vouloir m'influencer, là. S'il te plaît, paye-moi mon argent. C'est quoi ces foutaises-là? J'ai dit que je n'ai pas le naira que vous utilisez dans le royaume des vivants. Regarde, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ne viens pas ici essayer de me tromper, oh. Je m'énerve, là. Ah ah! Paye-moi mon argent, moi je pars chercher les clients. On va payer le nom. Tu veux manger son argent pour rien. Ah. C'est ce qu'il fait, c'est vrai. Mm. Comment peut-il porter du coton aux narines comme un cadavre qui sort de la mort? Le plan ne me concerne pas. S'il veut qu'il mette du coton en bois ou du coton en papier dans les narines, ça c'est le Nigeria. Il peut mettre ce qu'il veut. Ce qui m'importe, c'est mon argent. Mon ami, pourquoi me perds-tu du temps? Je ne veux pas que les gens qui vont m'enterrer arrivent au village avant moi. Attendo. Oga. Que viens-tu de dire là? C'est toi le mort. Écoutez-moi bien. Je suis sorti de la morgue ce matin. Oh! Les gens qui transportaient mon cercueil me perdaient du temps. Me malmenaient un peu partout. Je les ai laissés. Village Ganagana. Je m'en vais au village comme ça les attendre. Donne-moi mon argent. Hein? Donne-moi mon... Pourquoi veux-tu me tenter? Pourquoi veux-tu me provoquer? Pour quelle raison me retiens-tu ici pendant tout ce temps? Pourquoi? S'il te plaît, conduis-nous au prochain poste de police. Oui, oui. 400 naira. Ok, c'est sans problème, c'est sans problème. Allons-y, allons-y, allons-y. Je vais te montrer un peu le genre de personne que je suis. Tu auras une démonstration. Désolé. Nous sommes seulement venus voir. Oh. Pardon. Pardon. Oga, désolé. S'il te plaît. Thank you.
C'est comme si ces gens ne sont pas quoi arriver ici. Je m'en vais les attendre. Dara, Dara. Il n'y a rien d'autre à faire maintenant que d'aller au village et dire ce qui s'est passé. Que vas-tu faire pour qu'ils croient à ce que tu leur diras? Vont-ils croire à nos histoires? Ah, ça c'est tout simplement très confus et fatigant. Comment vais-je faire face à ma belle famille? Ne t'inquiète pas. Tout ça va s'arranger. Nous devons publier une photo pour qu'on puisse l'identifier. Pardon, monte dans la voiture, tout ça va s'arranger. Ah, d'accord, mais... Respire comme ça. C'est... Je viens de le voir arriver là. Tu as vu qui? Tu as vu qui? Quand tu as couru, tu ne peux pas aller où? Écoute, je vais te tirer. Si tu ne dis pas ce qui te poursuit, je vais te chasser d'ici. Attends, oui. Attends. Il me semble qu'il a fumé ce qu'il a l'habitude de fumer là. C'est ce truc. Tu l'as fumé. Dégage avec ton affaire là. Nous ne sommes pas ici pour de telles blagues. Tu as fumé quelque chose. Tu as fumé quelque chose, n'est-ce pas? J'ai vu au Kennedy. Je l'ai vu. Il a encore venu là, 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 là. Venez, allons voir s'il est vivant. Hein? Allons-y. Qu'on passe? Qu'on aille voir s'il est en vie. Ok, avance. Sur le nom. Il est effrayé qu'il s'avance, non? Avance. Pourquoi ne pas appeler toute la famille, ses frères, sa femme? Je pense que c'est une très bonne idée, ça. Appelle-les. Oui. Isoma où? Oye, Gwani, Isoma. Isoma. Es-tu sûr que cet homme n'est pas un ritualiste? Moi-même, je suis sûr que cet homme n'est pas vraiment mort. N'as-tu pas vu comme s'il n'était pas mort? Je suis confuse, je crois qu'il n'était pas mort. Cet homme n'est pas mort. Mais s'il n'est pas mort, pourquoi est-ce que les gens couraient quand il est entré dans la concession, non? Moi, je vais aller là-bas à l'intérieur. Il faut que je sache ce qui se passe. Tu n'as pas peur? Pourquoi j'aurais peur? Ceux qui sont à l'intérieur sont déjà moins enterrés. J'irai là-bas à l'intérieur et je vais voir ce qui se passe. Ainsi, quand je parlerai, je saurai ce que je dis. Ok, puisque tu dis que tu pars là-bas, sans problème. Mais tu vas avancer et je te suivrai derrière. Comme tu n'as pas peur de dire que... Avance, on y va. Avance. Ça sonne. Bien. Mais ils n'ont pas encore pris. Continue à s'appeler. Okay. Insiste. Appelle encore le numéro. Ça sonne. Ok. Pourquoi n'essayes-tu pas celui de Suzanne? J'essaie. Essaie un peu celui de Suzanne.
Ça sonne. Ça sonne. Ok, c'est bien. C'est bien. Attends, ok. Allô, Max. Oui, nous sommes encore en route. Mais qu'est-ce qui vous retient à ce point? Écoute, tout d'abord, nous avons eu crevaison. Après avoir changé la roue, le moteur a commencé à chauffer. Nous avons presque fini, nous arrivons. Oui, bien sûr. Hein? Tu sais que les gens attendent. Les gens attendent que le corps vienne pour qu'on puisse, l'enterrer. Vous ne devineriez jamais ce par quoi nous sommes passés aujourd'hui. Nous avions une très mauvaise expérience. Quel genre de mauvaise expérience? On ne vient pas avec le cadavre de Oudé. Il s'est levé et il est parti. On est obligé d'aller à la police pour signaler sa disparition. Il est même déjà ici. Son corps est couché ici. Faites tout pour arriver ici maintenant pour qu'on puisse l'enterrer rapidement ici maintenant. Hein? L'enterrer? Il est mort. Quelqu'un qui est mort depuis. Oui. Il est ici, il est mort. Ton mari est mort. D'accord. D'accord, pas de problème. Gloire à Dieu, on arrive. Ils arrivent. Ok, ok. Ce type qui sort et marche n'importe comment là. Il faut qu'il vienne, on l'enterre vite avant qu'il ne se relève encore là pour partir. Mais je ferme ta bouche. La vie ne cessera jamais de me surprendre. Ma chère, qu'est-ce que c'est? Ils disent qu'Oudé est déjà au village avec eux. Oh, il est vivant? Merci Seigneur. Il n'est pas en vie, ils disent qu'il est couché et qu'il est mort. Je ne peux pas le croire. C'est la même chose. S'il vous plaît, levez-vous, on s'en va. Dépêchez-vous pour qu'on puisse. On s'en va, on s'en va. Qu'est-ce qu'ils sont dit sur la carte de vous maintenant? Ils ont dit qu'ils sont en route et en train de venir. Que. Il a juste disparu et qu'ils sont allés à la police pour annoncer sa disparition. Où sont-ils maintenant? Ils ont dit qu'ils sont en route, ils sont en train d'arriver, c'est tout. Regarde. J'espère que dès qu'ils arrivent là, on l'entend immédiatement. Ah, c'est ça. Forcément, c'est pas tout mais ça. Je ne sais rien de toutes ces choses. Viens. Tu parles et tu demandes qui a dit. C'est toi qui l'as dit. Okulam, okulam. Oh non, Manon. Écoutez. Oh, Juan. Nous devons attendre qu'ils reviennent. Avant qu'on fasse quoi que ce soit avec le corps. Ouais, ok. Même si nous devons l'enterrer, hein, nous n'avons aucun cercueil. C'est vrai. Donc, lorsqu'ils reviennent, nous allons chercher un meilleur cercueil. Pour qu'on puisse enterrer dignement. J'ai peur. Voilà. J'ai peur. Je t'assure. Quel cercueil? Amakako, je suis quoi, fait que. C'est pour cette raison que vous tardez à m'enterrer. Ça, c'est vraiment la méchanceté. Vous êtes méchant, je pensais que vous étiez mes frères. Si c'est vous qu'on traitait comme ça, ça vous plairait. Sachez que Dieu vous regarde haut. Dieu voit haut. Dieu vous voit haut. Tu n'es que le Kekunaya. Ok. Si c'est le cercueil le problème. J'irai chercher le cercueil pour que vous puissiez m'attirer. Sans problème. Pour que je puisse m'enterrer. Non, c'est pas moi de te battre. C'est pas moi. C'est pas moi de te battre.
sûr d'y passer. Ça c'est qu'on était avant que on ne sait quoi. Le gars se lève. Attends, cours. Bon, toute la disparition. Toi, ça va. Bois ton nom. Bonne voix là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? On était là. On a vu tout ce qui s'est passé. Mats, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Moi-même, je ne me souviens de rien. Oui, vous savez, j'ai toujours peur. Ojo. J'ai peur, j'ai toujours peur. Je tremble de peur, je ne sais même plus où j'en suis. Alors, où est l'homme que vous avez dit qu'il était déjà ici? Merci beaucoup. Nous trois, on était ici, là. Oui. À courir et à préparer l'enterrement de cet homme, Mats. Il était couché là, comme mort. Après, soudainement, boum. Il a disparu. Et les renouveaux de l'histoire, c'est qu'elle a dit qu'elle allait sortir d'un cercueil. On est au nord, on va dire qu'elle est au matin, matin, sous. Viens. Puisqu'on a appelé Demma, il sera bientôt là. Donc, attendons simplement qu'il arrive et lui-même viendra faire ce que c'est. Il est en chemin, il sera bientôt là. S'il vous plaît. Ça va comme ça. S'il vous plaît, oubliez tous ces protocoles et interromps-les avant qu'ils ne disparaissent pour de bon. Et nous n'aurons plus à souffrir pour tout ceci. Oui, s'il vous plaît, laissez simplement Cole à terre. Oui, on a déjà eu trop de problèmes en un seul jour, rien qu'à cause de lui. On est trop pressé. Non, c'est pas ça. Tu as soutien ici. Oui. Nous devons attendre qu'on débarque. Oui. Et calmer son esprit. Oui. Avant qu'on l'enterre et qu'on enterre les problèmes. J'entends le type, il se lève, il repart. Après, il vient me déranger dans la maison que j'ai. Il va continuer à tous nous déranger. Oui. Je ne suis pas là. Non, le laisse, on attend Ndimba. Oui. Est-ce que tu n'entends pas calmer son esprit? Son esprit n'est plus là. Esto, interromps-le maintenant. L'enterrer maintenant? Oh non, va fermer le cercle. Attends-le maintenant. Le cercueil est supposé être fermé. Ferme-le, mets-le. Mets-le. Écoute, j'insiste toujours que nous devons attendre demain. Vous voyez? Là, ce sont pour tout cette. Je suis d'accord avec toi. Je suis une personne très timide. Et toi, comment tu fais là? Et c'est un homme. Oui, on a rien. Thank you.
Pierre, viens, viens. Nous t'écoutons. Repose en paix. Mes yeux ont vu quelque chose. Oumabi ne commence pas. C'est quel genre de calamité ça? Nsuka, Osoya. On ne dit pas calamité. On dit calamité. Lele, Adabek. Que ce soit calamité ou calamité, où est la différence? S'il te plaît, oublions ça maintenant. Et parlons plutôt de ce dont nous faisons face. C'est maintenant que je comprends. Que cet homme, Mazoudé, est un ritualiste. De quoi est-ce que tu veux encore parler? Ces gens qui voient les gens au travers du miroir, ils ont la puissance et font les choses que Mazoudé est en train de faire. Ça peut être vrai ou? Nawao. Hey! Mouibo! Nakukeibo! Nawao! Hey, quelqu'un est en train de venir. Hey! La jarre nous appartient. Et les biens également nous appartiennent. Mais je dis à travers ce besoin d'argent pour qu'on se partage entre nous. Et je dis que ça ne se passera pas ainsi. Je suis la femme de Mazoudé. Et nous avons souffert et travaillé dur pour se faire cet argent et ces biens que vous voulez tous vous partager. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit qu'est-ce que cela veut dire? Ce que je veux dire, c'est que j'ai tout le pouvoir. Et c'est à moi de décider qui prend quoi, ce qui revient à chacun. Et ça, c'est si c'est nécessaire. Tu mens. J'ai dit tu mens. Asocha. Pas dans cette maison, c'est un mensonge. Tu es une femme. Tu n'as pas le droit de dire ce qui revient à qui dans cette maison. Ça, c'est la propriété de mon frère. Où étais-tu? Où étiez-vous? Quand mon mari et moi, nous souffrions pour construire et bâtir notre avenir. Où étiez-vous, je le demande? Où étiez-vous? Où étions-nous? Nous sommes de quoi ici? Oh! Oui! On était là! Mes frères, ne prenons pas ça dans ce sens. Les choses ont changé. Ce n'est plus comme c'était avant. Qu'est-ce que tu as dit, Yanya? À ce qu'on parle pour la peau, Yanya. Hein? Et où est-ce? À nos pères. Et comment ça t'est maintenant? Écoute, tu vois cette femme, elle veut nous montrer qu'elle est sage. Aïe! Mais nous la résisterons. Avec tous les moyens possibles. Tous les jours. Tirez. Êtes-vous en train de me menacer? Tu peux appeler ça comme tu veux. Écoute-moi que même, j'ai dit ma part. Oui. Nous te menaçons. Merci. Nous te menaçons. Ouais. Mes frères, essayons de nous calmer avant que les choses ne s'empirent. Tiens, écoute. Je commence à te suspecter. Je commence à te suspecter. Oui. Max, que veux-tu dire? Je te suspecte parce que tu te places dans un problème et où que là toi? Tout ce que j'essaye de dire, c'est que je ne serai jamais d'accord avec des gens qui maquettent la femme de leur frère alors que son mari n'est plus en vie. Monsieur l'homme gentil, Guaguana, regarde-moi sa barbe. Regarde-toi, non, et tu as Guano. Oh, tu vois, c'est comme ça que sont les choses. Tu as déjà commencé un peu avec ton argent. Appelle le type mère. Le type vient juste de mourir, il n'est plus là. Tu entres déjà avec ton truc, tu aimes déjà la femme là. Tu viens, non? Au clair. Je te respecte parce que tu es mon frère aîné. Oh, ne me respecte pas. Je n'accepterai plus aucune offense venant de toi. Ne me respecte pas, ce n'est pas Kalosh. C'est une affaire de bien. La femme de vous devient prendre soin au lieu d'être ses bourreaux. Car il détient ce qui lui revient de droit à cette épouse de son défunt mari. Je quitte cette réunion. Pas! Avant que tu ne commences à faire quelque chose maintenant, quand on aura fini ici, tu iras à l'intérieur avec elle. Très bien. Écoutez-moi, vous tous. Comme vous ne voulez pas connaître la vérité et vous ne voulez pas apprendre la vérité, vous voyez comme Dan vient de sortir d'ici, je veux que vous tous, spécialement toi, lève-toi de là, sortez de ma maison immédiatement. Je compte de 1 jusqu'à 4. Cette maison, cette propriété et tout l'argent que vous voulez me prendre.
ont été travaillés par mon mari et moi. Je vous vends hors de ma maison, je compte de 1 jusqu'à 4. Je dis, tu mens. Tu mens. Laisse-moi te dire, tu es une femme, hein. Tu ne peux pas le faire sortir de la maison de mon frère. Tu ne peux pas faire ça. Rectificatif. C'est pas la maison de ton frère. C'était. Ça ne l'est plus. Ça, c'est ma maison. Et je vous fais hors d'ici. Lève-toi de là et sortez de cet endroit. Non, Manon. Oh. Non, Manon. Vous êtes encore placé là. Vous êtes encore assis là. Chérie, Gambia, j'arrive. Ça qui ça, Manon? Bien, Okodia. J'ai quitté cet endroit juste à cause de. La maudite fêlée. Attendez-moi, j'arrive, attendez. Espèce d'unitine, idiot, les imbéciles qui vont venir s'emparer de ce qui ne leur appartient pas, idiot, Ndiala, n'importe quoi. Ok, écoute, tu n'es pas notre frère René pour rien, hein? Tu es celui qui est censé jouer le rôle de notre père, et nous devons t'écouter lorsqu'il y a des problèmes comme celui-ci. Écoutez, Suzanne, la femme de notre frère, je vous dis qu'elle n'a pas le droit de prendre ce qui nous revient de droit dans cette famille. Je jure devant Dieu, nous allons la combattre jusqu'à la fin. Oui. Si elle refuse de se soumettre, on va utiliser la force. Oui. Et si elle refuse de se soumettre à la force physique, nous allons utiliser la méthode africaine traditionnelle. Bon. Et nous allons même la sortir de la maison dans laquelle elle vit en ce moment. Oui. Parce qu'elle n'a aucun enfant avant notre défunt frère. Elle n'a pas le droit de prendre notre héritage. Oh. Et si on lui permet de s'asseoir sur notre héritage? Aïe. Ce serait une bêtise pour notre parti. Alors c'est impossible. On voit qui me met. À devant le moment. Donc, voilà ton lieu de service. Oui, madame. Mm-hmm. Oui, madame, je comprends, moi. Mm-hmm. Personne n'a le droit de venir dans cette maison, à moins que tu aies ma permission. Oui, madame, sois plutôt tranquille. Très bien, je vais te donner certains formulaires. Tu devras donner à chaque visiteur qui vient dans cette maison et il devra remplir le formulaire avant d'entrer à la maison. Oui, madame, ne vous en faites pas. Ah, est-ce que tu comprends? Ah, madame, ne vous en faites pas. Très bien, donc... mets tes affaires dans la chambre de sécurité. Merci, hein? Merci, madame. Le travail commence. Oh, ouais, merci. Pierre, où est-ce que tu vas? Présente-moi, je venais chez toi. J'espère que tout va bien. Tout va bien. C'est juste à propos de la femme de notre frère, Suzanne. Tu vois la manière qu'elle nous traite à propos de notre héritage. Je ne comprends pas. Max, écoute-moi. Il n'y a aucun problème entre nous et cette femme. Le seul problème, j'ai dit, est celui de l'ignorance de la part de mes frères qui n'arrivent pas à comprendre l'implication des changements du monde. Quelles sont les implications? Quelles sont les implications? Bien, le premier est que l'époque où on chassait les femmes pour qu'elles n'héritent pas de leur mari est révolue. Et les femmes ne sont plus des méchantes qu'elles furent par le passé. Un bon idiot, une bonne chèvre, une très grosse chèvre. Une vache, mais... Oh! Max, je ne le suis pas. Mais je suis le seul homme courageux parmi vous tous. Parce que je sais que très bientôt, vous tous allez douloureusement réaliser que ce n'est pas ce que vous pensez. Vas-tu dégager devant moi, Dion? Dégage, espèce Dion. Je suis sûr que cette femme t'a charmé. Vraiment celui que t'as eu avec du charme. Et là, pour mon niveau, ce n'est pas que je suis une personne timide. Ce que je t'aurais fait aujourd'hui, hein. Oh, ce qu'on a béni, Vélin. Je ne suis pas intéressé par vos horribles et ignorantes ambitions. Retiens-le. Oh, si t'as pas que je suis une personne timide. Oh, ce qu'on a béni, Vélin. C'est sûr, si j'étais pas une personne timide, hein. Si t'as pas que j'étais une personne timide, hein, bon, Vélin. Juste, on y fait là, hein. Je t'aurais donné mon hypertude aujourd'hui.
Je vais leur montrer que les femmes ont été libérées. Je veux leur montrer que mon défunt mari et moi avions travaillé très dur pour des choses qu'ils veulent maintenant m'arracher. Attends un peu. Donc la naïve va travailler pour que les bons messieurs marchent. Non, ça ne marche pas. Non. Attends. Pourquoi ils essayent d'être égoïstes? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la femme à laquelle ils sont en train de s'attaquer. Je suis avec toi. Crois-moi, ils ne connaissent pas. Où étaient-ils? Où étaient-ils quand mon défunt mari et moi travaillons dur pour construire et bâtir notre futur? Où étaient-ils? Ma chérie, quel que soit ce que tu vas faire, je voudrais que tu saches aussi que le dialogue paye. Le dialogue? S'ils viennent pour cela, alors ils auront le dialogue. Oui. Qui est devant le portail, hein? Oyez! Ah! Qui êtes-vous? Oga, que veux-tu? Je ne te connais pas. Alors bien, je suis Daniel. Je voudrais voir Madame Suzanne. Ok. Tu vas attendre que je revienne avec le cahier pour que tu puisses porter ton nom. Voilà les consignes de Madame. Hein? Écris mon nom dans ce cahier. Tu écris ton nom, non? Écoute, laisse-moi te dire. As-tu connu Kerimenkem? Pardon, ne verse pas ta colère sur moi. C'est ce que Madame m'a demandé de faire. Alors tu attends que j'apporte le cahier pour que tu puisses écrire ton nom. Sim! Oga. Qu'est-ce qui t'arrive vous-même? Tu veux me souper? Oga, mets-toi dehors. J'ai dit mets-toi dehors, Oga. Zaza, laisse qu'il vienne, laisse qu'il vienne. Madame, cet homme refuse de porter son nom dans ton cahier. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, laisse qu'il vienne. Ok, madame. Salut, mes jolies dames. Danny, tu m'abandonnes? Ah, tu sais que je ne pourrais jamais faire ce genre de choses. Je ne pourrais jamais t'abandonner. Ne t'inquiète pas, j'étais simplement en train de blaguer. Alors, comment vas-tu? Ça va, à part mes frères qui veulent me tuer à cause de toi. Sérieusement? Oui. Je suis désolée. Ça c'est Danny, mon beau-frère. En fait, c'est la seule personne que je peux vraiment appeler beau-frère. Danny, je te présente Gina, ma meilleure amie. Elle est venue de la ville pour me voir. Je suis très enchantée de faire votre connaissance, monsieur. Tu es la bienvenue. Merci. C'est vraiment un plaisir. Alors, que se passe-t-il avec tes frères? Ok. Tu sais que j'ai vu Dan quand j'étais en train de venir ici. Qu'est-ce qui se passe avec Dan? Tu me le demandes? On a eu une terrible discussion à propos de la femme d'Oudé. La manière qu'elle parlait. Il parlait comment? Tu n'as absolument pas besoin de te stresser. Ne t'inquiète pas, je suis à la mesure de la tâche. Je peux vraiment m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Je suis désolée. Je t'ai pas offert à boire. Je t'ai pas offert une chaise. Alors dis-moi, que puis-je t'offrir? Merci beaucoup. Mais je voudrais d'abord manger avant de boire. Ça ne sera pas un problème. Janet! Oui, madame. Qu'es-tu en train de faire maintenant? Je nettoie les chambres, madame. D'accord, arrête ça pour le moment et fais à manger à Dan. Oui, madame, tout de suite. Merci. Alors, comme je le disais, quand j'en aurai terminé avec tes grands frères, ils connaîtront le pouvoir d'une femme éduquée. Ils ne verront même pas un radis de la richesse de mon mari. Encore moins s'en approcher. Crois-moi. Ça, ce sont les paroles de mon ami. Oui. Je veux dire, le temps est venu pour qu'on leur montre qu'ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent de nous. Oui, je le leur ai vraiment dit. Donc, c'est ce qu'il a dit. Exactement. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Je lui ai même dit qu'il est un suspect. Mais si, il est le suspect. Et on va s'occuper de lui comme on compte s'occuper de cette stupide femme. Mais ça ne sera pas une chose facile.
Je dis que cette femme est une femme très terrible. Et c'est une femme très forte. La bagarre ne sera pas petite et ce sera très difficile ne pour nous. Ne t'inquiète pas, Mas. Je suis ok, ok. Je sais ce que je fais. Hmm? Tu es sérieux? Je suis très sûr. N'aie pas peur. Je vais m'occuper de tous. Tu sais pourquoi je dis tout ça? Tu sais que je suis une personne très timide. Oui, Vélé. Après avoir fait ça, ta timidité va se changer en quelque chose d'autre. Oublie ça. Je te crois. J'ai bien ouvri. Allez, ouvrez là. Ouvre le portail là. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci. Que puis-je faire pour vous? Ça, c'est la maison de notre frère. Oui. Et nous voulons voir la femme, son épouse. Pas de problème, oh. Mais vous devez écrire vos noms pour madame. Écrire vos noms pour madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, parle. C'est ce que madame a dit, non, que tout le monde qui veut la voir doit se faire enregistrer. Il met tout le monde. Bah, ou pas tout. C'est quoi ce qu'on a dit ça? Comment pouvons-nous venir dans cette maison et nous demander de nous enregistrer avant de la voir? Ça, c'est la maison de notre frère. Ce n'est qu'à lui que ça appartient. Sans problème. Regardez, calmez-vous. Calmez-vous. Voyons d'abord la femme et puis on verra quoi faire. Vous comprenez? Apporte le truc là, on va signer. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je perds mon niveau de français. Janetti. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi est-ce que tu écris mon nom comme c'est ça? Comment? Tu veux le cahier, non? Pour que les gens puissent écrire leur nom. Ce formulaire. Sans coup, tu fais les manières. Donc tu te pousserais. Oh, Black Fadi Chakanaka. Quel comportement même. Prends ça. Voici le cahier de madame. Inscrivez vos noms dessus. Ensuite, j'irai le montrer à madame. Je vous en prie, portez vos noms, s'il vous plaît. Nom de Dieu, qu'est-ce que cet homme voudrait nous payer comme ça, non? Ok, mais laisse-moi te dire. Ne permette pas que je perde ma température. Pardon, mon degré de température. Calmez-vous un peu. Calmez-vous. Allons d'abord à l'intérieur voir cette femme. Quand on sera à l'intérieur et qu'on l'aura vu, on décidera quoi faire. Tu ne peux pas combattre un homme à l'extérieur de son territoire. Tu dois le combattre à l'intérieur. Vous comprenez? Calmez-vous. Signe. Que je signe? Non, quoi, vous voulez que coulisse, c'est le coulouménque. C'est d'abord. C'est jeté. Ça, si. C'est jeté. C'est jeté. C'est jeté. Merci, oui, ne t'inquiète pas. T'es balé, moi. Mon nom en dernier. Je suis une personne timide. Amboni Fellet. Ne t'inquiète pas. Laisse d'abord mon petit nom, là. Écris mon nom. Ok. On n'a pas les mêmes parents. Je m'excuse. Que voulait Zanza? Madame, il dit qu'ils sont au portail et il voudrait prendre des instructions pour eux. Je vois. Et tu as vu ces visiteurs? Ok, bien. Janet, va le voir. Ok, demande à Zanza de les laisser entrer et donne-leur les chaises.
Madame demande que tu les laisses entrer. Vous pouvez venir. Merci. On y va. Madame, les visiteurs sont entrés et je leur ai demandé de s'asseoir. Ça, c'est bien. Cherche-moi une chaise. Ok, madame. Dépêche-toi. J'ai entendu dire que les frères de Mazi sont en train de se battre pour l'héritage qu'il a laissé. Qu'en est-il de sa femme? N'est-elle pas là? Il veut se partager les biens de Mazoudé et son argent. Et il paraît que sa femme ne les a pas laissés faire. Je sais que cette femme est courageuse. Si tu la voyais, tu comprendrais que c'est une dame de fer. Ils ne prendront rien d'elle. Oui, j'aime les femmes comme elle. Mais elle est seule contre tous ces gens avec qui elle se bat. Non. J'ai entendu dire que le jeune frère de Mazuki a défendu cette femme. Et à cause de ça, ses frères n'ont pas aimé. Et c'est comme si cet homme, Dan, a récupéré la femme de Mazi. C'est un beau gars, non? Qu'est-ce qui te touche? Il est beau, non? Il est beau. J'ai bien écouté tout ce que vous aviez dit. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça? Excusez-moi. Une ok. C'est bien de résoudre les problèmes, hein, vous savez. C'est ça la vie. Il n'y a rien que tu puisses faire avec les coups de poing, les coups de poing. C'est pas ça qui résout les problèmes. Oui. Allô? Allô, CP? Ça, c'est Madame Oudé. S'il vous plaît, il y a les bandits dans ma maison à l'instant. Ma vie et la vie de tout le monde dans ma maison sont en danger. Ok. Vous envoyez les policiers. Bien. Merci. Bien. D'accord, merci monsieur. La merci police. Beaucoup. Je pars ici. Tu as besoin d'appeler la police? Non. Vous pouvez attendre. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de. Nous sommes juste venus demander notre part. Dans la recherche de. Vous êtes d'accord à discuter? Tu mets la police des deux. Ok, il n'y a pas de problème. Je quitte ici parce que je suis une personne timide. On y va, là. Pas pour quel mot? Vous auriez dû revenir et rester assis là. Idiot. Je savais que cette femme est une femme dangereuse. Vous savez même que j'ai sous-estimé cette femme. Comment est-on sûr qu'elle n'a pas tué notre frère? Ce n'est pas impossible. Oui, ce n'est pas impossible parce qu'elle peut le faire. Écoutez, je vais lui montrer qu'elle a vécu en ville et que moi j'ai grandi ici au village. Cette femme, les femmes. Les femmes, ne t'inquiète pas. On saura qui est qui dans cette affaire. Allons-y. Vous avez à moi les mais... Alors, je ne vous inquiète pas. Moi. Ah, mon Dieu. Je vais leur montrer. Je vais leur montrer que je ne suis pas une femme ordinaire. Je vais leur montrer que mon mari et moi avions souffert pour avoir cet argent. Ils veulent simplement venir ici et récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Je vais les traiter. Madame, il faut leur pardonner, non? Quoi? Pardonner? Oui, madame. Non, madame. Désolée, madame. J'ai fait une erreur parce que quelque chose est entré dans ma bouche. Tu vois, je viens juste de cracher cela. Zaza! Madame! Mon ami, viens ici, monsieur. Oui, madame, j'arrive. Tu vois les hommes qui viennent juste de partir? Oui, madame. Je ne veux plus jamais les revoir ici. Oui, madame, pas de problème. S'ils s'approchent de cette maison, ne leur ouvre pas le portail. Je répète, n'ouvre pas le portail. Est-ce que tu comprends? Non, pas de problème, madame. Très bien. Je n'aime pas ça. Bien, retourne à ton poste de service. Toi, cherche quelque chose à faire. Hey, Mugamo, c'est quoi cette souffrance, non? Hey, j'ai même mis maman à quoi, non? Hey, qui m'apporte un peu d'eau, non? Hey, qui peut
vraiment des bons aussi ici, non? C'est pas cette souffrance, oh. Aïe, une petite pluie, oh. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette souffrance, non? Aïe, j'ai même mis ma main à toi, non? Hey, que m'apporte un poteau, non? Hey, qui prend un peu aussi ici, non? C'est pas cette souffrance, oh. Aïe, une petite pluie, oh. Aïe, 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 aïe. Mes frères, j'ai convoqué cette réunion afin que nous sachions comment et quoi faire à cette femme. J'ai longtemps réfléchi à la façon dont elle m'a humilié et certains d'entre vous, la dernière fois que nous sommes allés chez elle. Mes frères, si j'avais su que c'était à cause de Suzanne que vous m'avez convoqué dans cette réunion, je ne serais pas venu. Écoute, voilà, ouais. Hein? Que veux-tu dire? Comment peux-tu parler comme ça? Comprenez, ouais. J'ai dit depuis le début que je n'étais pas d'accord avec vous. Je ne serai jamais d'accord de maltraiter une femme qui a travaillé durement avec son mari pour assurer leur avenir et celui de leurs enfants. Quels enfants? Je dis quels enfants? Où sont ces enfants-là? C'est vrai qu'elle n'a pas eu d'enfant avant que son mari ne meure. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas là. Ne m'introduisez pas dans ça. Bonne journée. Hein? C'était prévisible. C'est évident. Cette femme l'a charmée de la même façon qu'elle a charmé notre dépeint frère. Cette femme n'est pas une femme ordinaire comme toutes les autres femmes que tu peux voir dans la rue. Pour la séduire, on a besoin d'une influence plus forte. Ah, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout faire pour la soumettre. Je vais aller chez Coco. Je vais aller voir ce qu'il peut faire pour nous. Ok, ok. Je suis tout à fait derrière toi. Tout ce que tu veux faire pour que nous mettions la main sur les biens de notre défunt frère, moi ça m'arrange. Merci. Ok, ok. Je suis derrière toi. Pas et reviens. Oye, manama, makoui. Zanza, comment tu vas? Hein? Je vais bien, oh. Madame dit toujours que toi, tu es la bienvenue. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, demoiselle. Monsieur, bienvenue. Madame peut être là? Oui, monsieur. Ok, dis-lui que je suis là. Oui, monsieur. Madame est à l'intérieur. C'est vous, laissez-moi l'appeler. D'accord, merci. Mon mari. Ma chère, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Je suis vraiment pas content. Et pourquoi est-ce que tu n'es peur? Mes frères viennent de me tendre les nerfs comme une fourmi soldat. À cause de moi? Oui. Janet? Janet! Madame! Apporte à boire pour Dan. Apporte également la chaise et après ça, tu devras aller au marché. Oui, madame. Hey. Fils de la terre, qu'attendez-vous de Mikoko? Mikoko, il est dit qu'un lapin ne coupe en pleine journée pour rien. Ma maison est en feu. Et je voudrais que tu me donnes une solution. Attendez. Voulez-vous prendre le contrôle d'une personne qui a refusé de se soumettre à votre frère et vous? Oui, Coco.
et nous allons payer n'importe quelle somme. Amène-la juste à se soumettre. Mais cette personne n'a pas utilisé de magie contre vous et votre frère. Regarde bien, Koko, regarde bien. Elle retient ce qui nous revient de droit dû à la relation que nous avions avec notre frère. Êtes-vous en train de parler de la femme de votre défunt frère? Oui, Koko. Amène-la à se soumettre et on payera n'importe quelle somme. Danny, c'est de toi dont je me fais du souci. Tu sais que je me soucie vraiment de toi. J'ai toujours été proche de toi, même quand mon mari était encore en vie. Alors, maintenant qu'il est mort, parti et pour toujours, je veux que tu prennes sa place. Bien, Suzanne. Dans la même lancée, j'ai longtemps attendu ce moment où j'allais t'avoir à moi tout seul. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais laissé mes frères planifier du mal contre toi. Me voilà. Je suis là pour toi. Ça, c'est tout moi pour tout toi. Et en ce qui concerne tes frères, ne t'inquiète pas. Je peux prendre soin de moi, je peux également m'occuper d'eux. Crois-moi, ils n'auront absolument rien. Bien, je leur ai déjà dit. Oui, et s'ils continuent dans cette lancée, je vais tous les envoyer en prison. Je ne voudrais pas que ça aille si loin. Juste leur enseigner que tu sais ce que tu fais, comme ça. C'est exactement ce que j'ai planifié de faire. Qu'est-ce qu'il y a? Mes frères ne s'arrêteront devant rien pour te faire succomber à leur désir égoïste. Et je ne m'arrêterai devant rien pour détruire leur plan. Je vais complètement les chasser dans cette ville. Comme les chasseurs enfumant les rats dans leur trou. Bien, nous allons les oublier et parler maintenant de nous. Désolé. Très bien, prends ma main. Les esprits qui protègent cette femme sont vraiment, vraiment puissants. C'est la reine. Et vous ne pouvez rien faire qui puisse l'atteindre. Ikoko, nous ne sommes pas en train de dire que nous voulons lui faire quelque chose. Nous parlons des biens de notre frère qui sont entre ses mains. Affaiblir ses mains. Comme cela, il pourra nous laisser un peu d'héritage. Je suis Ikoko, le vainqueur. Je ferai tout ce que vous voulez que je fasse pour vous. D'accord. Et ça vous coûtera de l'argent. Pour ici. Moi et ceux qui m'ont envoyé, nous sommes prêts à le payer. Fais juste qu'elle se soumette et on payera non seulement ton prix. Dis ce que tu veux dire. Ça va vous coûter 20 000 naira qui me serviront à préparer la potion qui la fera taire pour toujours. Ainsi, elle vous laissera ton frère et toi avec votre héritage. Et Koko, merci beaucoup. Je reviendrai dans 2 jours. Ne t'inquiète pas. Je reviens. Je veux que tu aies une voiture. Voilà, la petite voiture à l'extérieur, elle est à toi. Ça, c'est ton deuxième héritage. Waouh, merci beaucoup. Tu es un amour. Waouh, je n'ai même pas reçu le premier héritage
Et tu parles déjà du second. Allons, allons, ne sois pas naïf. Je suis ton premier héritage et la voiture, c'est ton deuxième héritage. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai jamais pensé comme ça. Viens là. Ça, c'est très bien. Alors, pourquoi n'allons-nous pas d'ailleurs et célébrer ta nouvelle voiture? Oh, allons-y. Pouvons-nous? Ok. Donc, voilà ta nouvelle voiture. Vérifie bien. Ok, merci. Hey! Saint du Christ! Pourquoi est-ce que tu cries ainsi? Je l'ai vu! Vu qui? Mon frère Oudé, assis à l'arrière de cette voiture. Oudé? Quel Oudé? Il n'y a personne dans cette voiture. Suzy, crois-moi, je l'ai vu. Il m'a même traité de voleur. Tu sais quoi? Je pense que ce n'est que le fruit de ton imagination. On va aller à l'intérieur. Tu vas te reposer et après tu vas ramener ta voiture chez toi. Il n'y a personne dans cette voiture. Allons-y, Dani. Nous ne recollerons pas. Nous ne recollerons pas. Nous avons payé cet argent. Bon, et qu'il fasse peu importe ce qu'il a à faire. C'est ça. C'est bien. Nous paierons. Qu'est-ce que tu en penses, Max? Oui, je suis d'accord avec vous deux. Et d'ailleurs, même, j'aime même mes derniers lycées Minaira ici. J'y participerai. Je ne suis pas timide ici. Je ne suis plus timide. Et finis à nez, merci. J'apporterai le mien. Dès que nous finissons cette réunion, hein? C'est seulement 20 000. 20 000 naira, c'est quoi? Hein? Papa, nous allons récupérer dans la maison de Mazo. Bien, mais 20 000. Bien pensé, mon frère. Ah. Bien pensé. Et Coco est déjà prêt pour nous. Hein? Une fois que Ezero a porté son argent aujourd'hui, j'irai voir Ikoko. J'arrive. Mais. Oui. Le compte ça très bien. Non, non, non. Il est correct. Il est correct. Aïe. Hey. C'est quoi ce genre de chaleur, non? C'est quoi ce genre de feu, non? Aïe, j'aurais pas dû faire ça. Tu n'es guéri. Tu n'es guéri. Aïe, bakadawane, pardonne-moi, aïe. Rien ne pourra jamais nous séparer. Tu sais, je t'ai toujours désiré. Même quand mon mari était encore en vie. Je serai toujours là pour toi. Tu es plus de là. Tu es plus de là pour tes histoires que tu vas faire. C'est un enfer. Oudé n'a jamais été mon cher d'homme. Voilà pourquoi je t'ai toujours désiré. Mais t'en fais quoi? Un jour, tu viendras me rejoindre ici. Tu vas atterrir ici. Hey, Dieu, oh, papa Dieu, pardon. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Gloire à Dieu, c'est tellement fait de l'argent pour moi. Au moins, je l'apprécie beaucoup pour cela. Voilà. Zanza! Ah! Jenny! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta nourriture que je t'apporte. Ma nourriture? Ah! Et puis tu m'appelles comme ça, comme si on avait un problème particulier. Oh, ya, donne-moi ça. Zamelisa, je t'ai déjà dit que mon nom n'est pas Jenny. Oh. Je t'avertis. Oh. Ton nom n'est pas Jenny. Mais tu m'appelles Zamelisa. Zamelisa n'est pas mon nom. Mon nom, c'est Zanza. Je te dis, c'est comme ça que moi je t'appelle. Oh. Mon nom, c'est Jeannette. Oh. Mon nom, c'est Jeannette.
Tenez, de Janet. Ok. Mais il y a m'a dit au-dessus. Parce que moi, je pensais que tu allais la déposer dans ma chambre. Hein? Prends, petit gourmand. Prends la nourriture. Ah! Ah ben vous. On a tchaka, on veut se mettre. Ne manquez pas de faire comme je vous l'ai demandé. Et cette femme se soumettra à vous comme une tige de macabo qui a été battue par un enfant solide. Donc, je l'applique seulement dans les yeux et seulement sur la bouche. Pas seulement ça. Ne parlez à aucune personne sans avoir parlé à cette femme directement. Ikoko, ne t'inquiète pas. Ce sera fait comme tu l'as dit. Allez, Coco, merci. Une fois que ce sera fait, je viendrai personnellement te dire merci. D'accord. Une fois qu'on aura triomphé, on viendra te dire merci. D'accord. Merci beaucoup. Va. Merci. Va. Va et prends possession de ce qui t'appartient. Hey, va doucement avec ça. J'espère que tu seras assez lucide pour conduire jusqu'à chez toi. Oui, chérie, je le serai. Merci pour les belles choses que tu m'as données. J'apprécie. C'est bon, ça va. Hein? C'est simplement pour sceller notre relation. Allons, fais-moi confiance. Le meilleur est à venir. Je ne pourrai attendre pour l'avoir. Je vais te montrer. On va tous les deux nous entendre dans ce village. Miss là. Hey. On va nous entendre dans ce village, tu verras. C'est pas fini. Thank you.
Chiwai. Fuller. Salut, chérie. S'il te plaît, il y a un problème. Problème? Quel est le problème? Mon frère. Ton frère? Lequel de tes frères? Que t'a-t-il fait? Il a paru dans la voiture et m'a appelé voleur. Qui? Mon mari? Oui, il est apparu dans l'arrière du véhicule. Et a dit que je suis un voleur. Tu n'es pas sérieux là? Je... ok, alors où es-tu maintenant? Je ne suis pas loin de la voiture, ça se passe. Très bien, d'accord. Je viendrai moi-même chercher la voiture, ok? Quelque part sur la route au bas. Donc j'ai laissé la clé sur le contact. Avant que quelque chose ne se passe avec la voiture. Très bien, ok. Dekoké, avant de faire ou de dire quoi que ce soit ici, j'aimerais savoir si ta femme et ta fille sont là. Essayez pas quoi. Comment est-ce que ma femme et ma fille peuvent être à la maison à 7h? Tu sais comment elle gère son petit business, non? Regarde, laisse-moi te dire. Elle n'est à la maison que les dimanches ou alors un jour d'enterrement. C'est quand même vrai. Je voulais juste être sûr. Parce que tu vois, tu ne peux pas mettre ce qu'on met dans les oreilles, dans les yeux. Tu as raison. Laissez-moi vous dire. Ikoko a dit que nous devrions appliquer cette potion dans nos yeux et sur nos bouches avant que nous ne parlions à Suzanne, afin que tout ce que nous lui dirons, elle le fasse. Otokeke, tu as fait du grand boulot. Je veux dire, tu as fait du grand boulot. Merci. Cette femme saura que nous ne plaisantons pas. Et voici une autre condition. Une fois qu'on l'aura appliqué dans nos yeux et sur nos bouches, nous ne devrons parler à personne tant que nous n'avons pas parlé à Suzanne. Hey. Ok, ok. D'autres choses sont difficiles, non? Hein? C'est ce qu'il a dit. Mais... si, ça c'est le prix que nous devons payer pour avoir ce que nous voulons. Pourquoi pas? Nous le ferons. Nous le ferons. Oui, c'est ça. Quand est-ce qu'on ira la voir? Quand? Que veux-tu dire? Quand on ira la voir? On part pas maintenant? Bah, non, on ne peut pas passer maintenant. Pourquoi? Partons demain. On partira demain. Écoutez, est-ce que vous savez que Dan est celui qui est en train de conduire l'une des voitures de notre frère? Ah, tu le ressors comme ça. Ah, ça. Je dis vrai. Des conneries. Est-ce possible? Comment? Que ce n'est plus possible dans notre monde ici. Lorsque je rentrais du temple d'Ikoku, je l'ai vu. Il a klaxonné puis il a roulé à forte vitesse. Hein? Hey! Ikoku, où est la dia? Je l'avais dit. J'ai fini par avoir raison. Hein? Oh! Je l'ai bien arrivé. Mais vous savez que je suis une personne très timide, on y fait les. Je compte sur vous, les gars, parce qu'on est humain. Ne t'inquiète pas, tout ce que nous faisons, nous ne comptons pas sur toi. Seulement lui et moi, il n'y a pas de problème. Non, ne t'inquiète pas, nous sommes seulement deux personnes et demie. Deux et une personne et demie. Et c'est un no-go.
vous salue. J'ai dit que je vous saluais, non? Oh, oh, dit gros. Elles-mêmes savent ce qui leur arrive. Comment je peux voir une personne avec qui je salue? Il ne me répond pas. Hein? Et si je ne les saluais pas, ils allaient commencer à me harceler. En fait, moi j'ai déjà dit ma part. Hein? Elle dit maintenant tout ce que tu veux faire, faire. Oyema, et Manakua. Zanza! Zanza! Madame! Madame! Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Ah, ah, madame, vous posez quel genre de question là? Zanza est la réponse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Madame, je suis là-haut. Ok, très bien, ne t'inquiète pas, simplement. Retourne à ton travail. Okay. Mais attends un peu. Où est Janet? Janet. Janet est partie au marché, madame. Oh. Chou. Qui est au portail? Va regarder. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, Janet. Bienvenue. Tu dois rapidement aller là à l'intérieur et cuisiner tout ce que tu as acheté. Donne arrive ici pour le dîner, d'accord? Oui, madame. Ok, entre. Avec vos doigts là, c'est pour entrer. Laissez-moi vous dire, ma patronne a dit que personne n'entre ici là avant de compter 4 à l'instant où j'ai fait mes yeux. Vous allez confirmer, moi sans ça. J'entre, je ressors. Oh, autant Banou, vous allez confirmer que je suis sans ça. Je fais mes yeux. Hein, maman, c'est quoi ton problème? Tu es fou? Hein? Comment peux-tu nous parler comme ça? N'est-ce pas maison dans notre frère? Hey! Et c'est et para? Zanza! Hein? Fou! Hein? Ok, attends-moi! Ah, va là-bas! Que viens-tu de faire? Que viens-tu de faire? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Je n'ai rien fait, j'essaie de raisonner ce stupide gardien. Tu voulais raisonner qui? Le gardien. Tu as seulement réussi à gâter tout ce que nous avons pris sur Coucou. Regarde ça! Toutes les instructions! Hey! J'ai oublié! Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Madame! Madame! Mais quoi, tu as corrigé? Dieri Mengem! Ah, Zanzan! Qu'est-ce qu'il y a? Madame! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Les ennemis! Devant le voltaire! Où sont les ennemis? Un, deux, trois ennemis! Zanza! Neze! Neze, Prozo, Keke! Ils sont là! Ils se tiennent encore là, comme s'ils avaient mal à la bouche! Que font-ils devant mon portail? Je ne sais pas! Allons-y! Oh! Où sont-ils? Madame, ils viennent d'être là-haut, ils ne parlaient pas. C'est qui a fait que je vienne vous appeler? Espèce de lâche, ils auraient dû m'attendre ici, bande de lâches. C'est vrai, je suis sûr de ce que je vous dis, madame. C'est vrai. Zanza. Hein, madame? Le jour où tu vas permettre à ces fous d'entrer dans cette maison, je vais te tuer. Oui, madame. Est-ce que tu m'entends? Oui, madame. Bien. Oui, madame. Oui, madame. Espèce d'idiot. Regarde comment on a souffert. Regarde seulement. Hein? Hey, c'est de trop. Donc c'est si dur que tu te retiens? C'est encore là que de la façon dont c'est nous traiter dedans le portail. Et tu oubliais? Tu oubliais que tu n'étais pas censé parler à quelqu'un, excepté Suzanne. Je vous ai pourtant dû de faire très attention sur la manière de vous mettre en colère. Oh, on serait plus à ce niveau maintenant. Hein?
Et tu sais que pour atteindre cette femme, c'est très difficile. Il faut encore qu'on contribue une autre grosse somme d'argent pour aller donner pour un autre doudou. Ce que je dis et ce que je vais continuer à dire, c'est que c'est parce que tu as gâté cette affaire-ci. Tu dois rassembler tout l'argent pour qu'on aille en faire un autre. Pourquoi? Hein? Pourquoi je dois rassembler tout l'argent? Parce que tu as gâté ceci. Je ne paierai aucun argent. Je ne paie pas. Tu ne paieras? Je ne paie pas. Je ne paierai aucun argent. Ok. Hein? Je suis nouveau frère. Je suis nouveau la même chose. Ok, laisse-le, je vais payer pour lui. Je vais payer pour lui, au moins ça veut mon petit argent. Je vais payer pour lui, c'est notre frère. Hein? Il doit contribuer. Tu sais que moi, je suis une personne timide de nature, alors je suis timide. Bon Samaritain, si tu veux, apporte l'argent. Il en apporte. On mélange ça et vous partez payer. Mais comme moi, qui est tout fier, quoi. Je ne paierai même pas Tico. Même Tico, moi, je ne paierai pas. Tu ne peux pas. Je ne paierai pas. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a pas de problème. Je ne paie pas. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je t'en supplie, Je t'en supplie, une fois que je t'ai fait, pardon. Pardonne-moi, je suis ton enfant, non, je suis ton enfant. Jésus, viens, oh, Jésus, viens, oh. Je sais qu'il est bien rentré, mais je me souviens qu'il était venu, il a dit qu'il allait revenir pour mes faveurs. N'est-ce pas, oh, si pour un peu de temps, je reviendrai. Juste un peu de temps. À toi, Tu viendras ici un jour, et quand tu arriveras ici, oh. Que je te voudrais. Aïe! Mais tu lui es. Pas pour une avare, vous. Pour une son bataille. On est voulu pour la première. Mais tu en es gagné pour lui. Mais tu lui donnes mon fait. C'est ton bon fait que je suis sur terre. Que je suis sur terre. Que je suis sur terre. Je suis sur terre. Je suis sur terre. Seigneur, je t'en supplie. Ne m'attendez plus. Juste. Que j'aille traiter ces gens, s'il te plaît. Juste 30 minutes, pardon. S'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu. Hein? Nikondou, je m'en vais, je reviens. Hein? Azulu, Kassi, il me dit pas de mal. Hein? En vous payez mon équipe. En vous venez dire que je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, Seigneur, s'il te plaît. Pardon, pardon. Cette fois-ci, je te promets. Aïe, aïe. Je veux que tu me donnes ta permission. Donne-moi ton autorité. Hein? Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir pour que j'aille traiter ces gens. Bébé, tiens. Voilà 2 millions de naira. Oh mon Dieu! Je veux que tu utilises ça pour t'acheter une voiture. Et oublie celle que j'avais d'abord prévu de te donner. Étant donné que mon défunt mari, ton frère, essaye de jouer les malins. Merci pour ceci. Ma chérie, que ferais-je sans toi? Les biches. Hey, mon Dieu, ce que je ferai à cet homme qui vient manger la jambe de la sueur de mon front et goûtera la jambe et bien. Il apprendra à travailler son propre argent. J'apprécie. Je t'aime beaucoup. Tu es maintenant mon mari. Et je suis prête à tout partager. Absolument tout avec toi. Merci beaucoup. Je ne te laisserai jamais tomber. Tiens là. Ah, je t'aime. Mon mari, pourquoi bouges-tu les jambes de cette manière? Est-ce qu'il ne va pas? Obidia, mon cœur n'est pas heureux. Pourquoi? Pourquoi je dis que tu n'es pas content? Ne vois-tu pas, Suzanne? Ne vois-tu pas comment elle a confisqué les biens de mon frère? Et puis encore, elle a dû le partager avec ta. Oh! Papa, maman, si tu devais mon avis sur ce problème, je suggérerais que vous laissiez cette femme tranquille. Laissez cette femme tranquille depuis que son mari est mort. Vous faites tout pour récupérer tout ce que son mari a laissé. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire comme si vous ne le voyez pas? Laissez cette femme tranquille. Laissez-la tranquille, laissez-la! Tu veux fermer ta bouche? Ah ah! Hein? Avant que je ne me mette en colère, que je ne te fasse quelque chose que tu n'attendais pas. Hein? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que papa crie comme ça? Demande-lui, non? Eh bien, je vais l'attendre ton départ, oncle.
Je lui demande de laisser cette pauvre bobo tranquille. Il me crie dessus. Que le tonnerre détruise ta bouche là. Papa, pourquoi est-ce que tu insultes maman, non? Demande à ta mère. Elle met sa bouche dans ce qu'elle ne connaît pas. Mon mari, je te demande juste de laisser une femme qui a perdu son mari tranquille. Laisse-la, ne la tue pas. Hein? Si son mari a laissé l'argent ou quoi que ce soit, laisse-la avec tout ça. N'arrache pas. N'arrache pas, papa, maman. Quand tu prépares leur avenir, il faut que vous étiez là. Ah ah. Mais papa, ce que maman est en train de dire est vrai. Oh. Je me ferme ta bouche là. Qu'est-ce que tu sais? Désolé. Oh. Et vous voulez partir d'ici? Allez à l'intérieur. Hey. C'est quoi ce connerie? Idiote. Bonjour madame. Votre nourriture est prête. D'accord. Ouvre l'assiette. Merci. Très bien, tu peux partir. Waouh, c'est sympa. Merci. Danny, je t'ai appelé ici aujourd'hui. Il y a quelque chose à laquelle je pensais et je voulais en discuter avec toi. J'espère que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Non, 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 pas du tout. Je veux que tu déménages et que tu viennes vivre ici avec moi. Suzy. Quoi? Sais-tu ce que tu fais? Bien sûr que je sais ce que je fais. Je suis la veuve de ton frère. Et j'ai le droit de choisir à qui je veux appartenir. Et à ce propos, je t'ai choisi. Pour quelle raison penses-tu que j'étais en train de faire tout ce que je faisais pour toi? Tu sais déjà pratiquement tout de moi. Alors pourquoi ne pas rendre ça simplement authentique selon que la tradition le demande? Les mots me manquent. Juste que j'aurai les problèmes avec mes frères. Problème? Tu ne peux pas t'occuper d'eux? Ikukuano, nous n'avons pas pu entrer pour voir la femme à cause de ce que mon petit frère a fait. Ce n'était pas ma faute. C'est la faute de ton frère et des personnes qui voulaient aller voir cette femme. Hein? Maintenant, que veux-tu que je fasse? Ikoko, s'il te plaît, je suis venu te supplier afin que tu m'aides à supplier les dieux, qu'ils nous donnent une nouvelle potion. C'est votre argent. Vous savez très bien que les dieux ne vendent pas à crédit. c'est clair, Ikoko. Je suis venu avec tout l'argent afin que tu nous en prépares une autre. Il n'y a pas de problème. Je m'en vais vous préparer une très dure et spéciale potion juste pour vous. Merci. Où est l'argent? Ok. Voici 20 000 lire. D'accord. Vous pouvez partir et revenir demain. Et cette femme redeviendra soumise à vous. Ikukuano, tu sais que tu n'as jamais échoué. Nous sommes ceux qui échouons. Je reviendrai demain. Ok. Il n'y a pas de problème. Suzy, je dois te dire que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je suis débordé et j'accepte toutes tes propositions. Tu sais, je n'étais pas certaine que tu allais accepter ma proposition. Voilà pourquoi il fallait que je fasse des petites choses que je faisais comme, tu sais, te faire les petits cadeaux de te corrompre, quoi. Tu n'as pas besoin de me corrompre. Pour tout ce que tu as envie de faire, il fallait juste te le dire et c'était fait. Tu es une belle jeune femme. J'ai toujours eu les yeux sur toi, même quand mon frère était encore en vie. Jeune homme. Je...
J'ai également toujours eu des vues sur toi, même quand mon mari était encore en vie. La raison pour laquelle il fallait que j'aie les cartes du chemin, c'était pour faire ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et Kokwana, tu l'as fait? Hey! Tiens, je t'en supplie, non. Tiens, je t'en supplie. Pardon, je sais que je n'ai pas bien vécu. Je sais que je n'avais pas vie pièce, mais j'ai essayé, j'ai essayé. Oh, Joa. Hey, Dieu, pardon. Non, pas juste 30 minutes, s'il te plaît. Je vais traiter ces gens qui pensent que... qu'ils peuvent détruire toute ma richesse et prendre tout mon argent que j'ai travaillé. Fais-le pour l'amour de ton fils, Jésus. Jésus, reviens, pardon. Aie pitié de moi. Seigneur Dieu, tu les vois? Tu n'as qu'à mourir, non, encore? Seigneur Dieu, t'en supplie, non? Donne-moi juste un peu de temps, un peu de temps. 30 minutes. Si ça dépasse 30 minutes, il rejette-moi dans le feu qui brûle, s'il te plaît. Hein? Donne-moi 30 minutes, Nico. Gatier, 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 gatier. Nia, nia, nia. Nia, dojo, dojo, gana. Gana. Hey! Tu n'as qu'à mourir, non? Tu n'as qu'à mourir, non? Oh, Seigneur Dieu! Vas-y, chérie. Oui, bébé. Je profite tellement de la vie avec toi. Moi également, bébé. Moi également. Tu sais, la vie avec mon défunt mari était tellement ennuyeuse et sans événement. Mais depuis que tu es entré dans ma vie, ça a été vraiment très satisfaisant. Très satisfaisant. Je suis vraiment flatté. Je suis vraiment flatté. Je te crois. À cause du fait que tu aies mis ton mari de côté pour moi. Tu es sérieuse. Mm-hmm. Laisse-moi te dire quelque chose. Je t'aime tellement. Je t'aime. Je t'aime également. Merci. Je t'aime. Merci beaucoup. Cherchez-vous. Vous voulez voir ma patronne? Hein? Vous pouvez attendre un instant. Oga. Oga, je suis désolé. Je suis désolé. Le problème. Le problème t'attend là-bas au portail, Oga. Les gens qui mettent leur bouche dans les problèmes des eaux. Qui sont ces personnes au portail? Le frère aîné d'Oga et les eaux. Ils vous attendent d'ailleurs. Et tu l'autre, c'est l'ingali, Mouge. Laisse. Bébé, ne t'inquiète pas. Bébé, calme-toi. Laisse-moi aller les voir. Non, non, non. Je dois partir les voir. J'ai besoin de les avertir d'arrêter de venir dans cette maison pour la dernière fois. Il faut que je le fasse. Bébé, juste relax, ok? Laisse-moi aller dehors pour les voir. Et je vais régler leur compte pour toi, ok? Zan Zan s'en va. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils me verront. Très bien, si tu le dis.
Les voilà. Qu'est-ce que ces gens veulent dans ma maison? Hein? Hein? Ta maison? Ta maison? Quelle maison? La tienne? Comment tu dis par ta maison? Qu'est-ce que tu veux dire par ce que je veux dire ma maison? Bien, je vis maintenant ici. Ça, c'est ma maison et je suis marié à Suzanne. Tu es marié à qui? Que veux-tu dire pas? Pour vos informations, ça c'est ma maison. Et ma femme me charge de venir vous dire de ne plus jamais revenir dans cette maison. Sansa, ferme ce portail. Oui. Hein? Dan? Hey! Ok. Je te l'ai dit. Je t'ai dit qu'il préparait quelque chose. C'est la raison pour laquelle cet idiot a refusé de se joindre à nous. Je le jure devant Dieu, il verra. Il verra quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. Ok. Hey. Que voulait-il? Après que je leur ai dit de ne plus venir ici. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Mais ils n'ont rien dit. Lorsque je leur ai demandé ce qu'ils faisaient dans ma maison, ils ont tous crié et fondu en larmes. Les larmes? Tu vas dire qu'ils pleuraient? Je te dis, ils pleuraient dehors. Ils n'ont encore rien vu. Quand j'en aurai terminé avec eux, ils vont pleurer. Allons à l'intérieur. Zanzan, retourne à ton poste. Ils n'ont encore rien vu. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui nous arrive? Comment est-ce que ce garçon peut nous faire ça? Je savais que ce garçon préparait quelque chose quand il était occupé à défendre cette femme. Dan, je te tuerai. Hein? Je ne resterai pas vivant. Te regarder tout prendre pour toi seul. Bah non. Nous avons encore échoué. Nous avons perdu 40 000 juste pour soumettre cette femme. Pourquoi ne sais-tu pas un autre marabout? Pour un doudou mental beaucoup plus fort. Pour la chose, la colère. Oui. Ikoko est le meilleur dans cette affaire. Il n'est pas celui qui a échoué. C'est nous-mêmes qui avons échoué parce que nous n'avons pas à appliquer les instructions. Écoutez, ok. Ça, c'est pas le bon moment de faire des reprimandes. Hein? Que faisons-nous maintenant? Merci. Ah, d'ailleurs, nous allons aller nous reposer. Hein? Et réfléchir sur une autre option. Okay. Si un voyageur voyage et n'arrive pas à sa destination, il va continuer à avancer. Tu as raison, Kodea. Allons à la maison. Je commence à être fatigué de tout ça. Aujourd'hui sera le dernier jour où je donne des ordres dans cette maison et que vous les suivez par la lettre. Je jure devant Dieu. Papa, maman, pourquoi? Voyez comment c'est qu'il y a un esprit comme ça. Hein? Pourquoi nous crier dessus? Oh, mon Dieu. Tu es celui que tu appelles un chien? Je ne t'ai pas appelé chien, je t'ai dit que tu fais comme... Est-ce que vous pouvez arrêter de faire comme des enfants, non? Vous n'avez pas honte? C'est lui qui devait avoir honte. Parce qu'il n'a pas pu trouver ce qu'il cherchait. C'est pour ça qu'il vient crier sur nous. Hein? Pourquoi crier sur nous comme ça? Obidie, je vois que tu poses déjà les ailes dans cette maison. Bref, je sais quoi faire. Je vais t'accuser chez les anciens. Et tu iras là-bas leur expliquer pourquoi est-ce que tu ne me respectes plus en tant que ton mari. M'accuser chez les anciens? Regarde celui qui veut m'accuser chez les anciens. C'est Suzanne qui se bat avec tes frères et toi que tu devrais aller accuser. Va affronter Suzanne, voudrais-tu que j'aille l'appeler? Attends, je vais l'appeler pour toi. Que de crier maman, sur moi. Toi, non. Je vais t'accuser chez les anciens. Va affronter Suzanne, c'est une femme. Crois-moi. Va l'affronter. Je vais aller appeler Suzanne, c'est elle qui sait gérer ton cas. Ne t'inquiète pas. Vous êtes toutes pareilles. Toi aussi. Fille des courses. Elles ne nous permettront pas de nous reposer jusqu'à ce qu'elles nous tuent. Je vais m'occuper de vous dans cette maison. Je vais m'occuper de vous ici. Ne vous inquiétez pas. Juste 30 minutes, ça ne dépassera 30 minutes, je t'en supplie. Pour l'amour de Dieu, 30 minutes. Mon agent est en haut, je n'ai pas dit que... Juste 30 minutes, Biko. Dans,
Tanja, attends ma claque. Oude, 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 oude. Oluchu kanagoya. Kago before Firi. Hein? Hey, tu n'es qu'un maman. Merci Seigneur. Seigneur, dis-moi, quand est-ce que je vais partir? Kaga. Hey, Ougame, me kaga. Ougame, kaga, j'ai demandé juste 30 minutes. 30 minutes. Tout le monde, quand tu n'es qu'un, il y a juste 30 minutes. 30 minutes, mais c'est ce que j'ai demandé, mais juste un peu plus de temps, un temps additionnel. Sur les 30 minutes. Et Wolivo, c'est juste une suggestion, tu n'es pas obligé de le faire, s'il te plaît. Même si ce sont les secondes. Moi, aidez-moi. Il y a les gros problèmes dans la famille de Moazoukeo. Qu'est-ce que tu appelles comme ça? Ce sont les frères de Mazoudé, non? Pourquoi non? Tous veulent avoir l'argent et les biens de Mazoudé. Ils veulent chasser sa femme de la maison. C'était leur plan, non? Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça ne devrait pas marcher? Parce que je sais que cette femme n'a pas donné d'enfant à Mazoudé. Hein, c'est vrai. Mais le plus jeune frère de Mazoudé, Dan, a pris la femme de Mazi comme sa propre propriété. Et en plus, c'est lui qui a hérité toutes les choses que Mazoudé a laissé avant de mourir. Ah, chez. Achet cornuché, c'est faux. Ta Dieu ne plaise au quoi Madouze, oh. Ah! Quel de nos frères? Mazoudé, nous étions en train d'aller à la rivière et on parlait. Et subitement, il apparaît devant nous comme un fantôme. Oui. Hein? Max, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu as de Paul? Mazoudé. Mazoudé est mort, non? Il est mort, il y a tout à l'heure. Il est mort. Nous allons nous en. Pourquoi? Comment tu crois ça? Il est mort, il y a tout à l'heure. Allons-nous-en, allons-nous-en. Imagine la chose. Mazoudé vivant. Papa. Mon mari. Pourquoi tu ne fais que cogiter? Arrête de cogiter, non. Tu vas cogiter jusqu'à vouloir te tuer. Hein? Femme, vous devez aller manger votre nourriture. Laissez-moi tranquille. Yeah. Papa, tu vas rester comme ça. Est-ce que c'est obligé que quelqu'un mange chez lui? Je ne peux pas décider de jeûner. Hein? Non, il va manger. La nourriture va se refroidir. Va manger, non. Obitien, je te supplie au nom de Dieu. Va manger ta nourriture, s'il te plaît. Hey. Qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? Hey! Ah! Ok. Ogegemberion, hey. C'est toi que je suis venu voir. Je veux que tu me dises pourquoi tu cours après mon argent. Comme si tu m'avais aidé à travailler cet argent. Oudé, tu es mort. Tu es mort et tu es parti. Pourquoi tu ne vas pas ailleurs, non? Va ailleurs et laisse-moi tranquille. Achète un chemin. Descends. Viens te coucher ici. Et tu dis? Descends. Hey. À plat ventre. Hey! Ok, à plat ventre. Pourquoi non? Va ailleurs, non? Ah, tu es mort! Papa, oh, mort! Écoute, tout de suite. Hey. Je veux que tu dises à ta femme et à ta fille le plan que tes frères et toi avaient pour prendre mon argent et mes biens. Dis-le-leur maintenant. Tu dis? Au cas où on y va. Mba! Wawunyene guamagou. Otogino monnegi. Tu jouais gay. Pour mes biens. Quoi? Laisse-moi! Je vais l'arrêter!
C'est là. Oh, pitié. Je suis allé jouer pour quoi? Pour qu'on ait pensé. Pour qu'il soumette Suzanne afin que qu'elle abandonne les biens de l'autre enfant de nos mangues. Tiens-toi. Je l'ai redit. C'était pour toi? Tu m'aides. Tu m'aides. C'était pour toi? Tu m'as tué un jour? C'était pour toi? Maman, ne le touche pas, ne le touche pas. Ne le touche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Femme, qu'est-ce que tu as enlevé? On vous pose une question, qu'est-ce qui s'est passé? Ton frère est venu là pour l'empoigner. Tu es vraiment stupide, tu racontes quoi? Comment pouvez-vous vous mettre à parler des bêtises? Mentir n'importe comment et croire qu'un cadavre peut se mettre à marcher dans tout le village? Tu aurais foué dans tout le monde. Est-ce possible? Tais-toi comme ça. Oncle Max, c'est vrai ce que maman te dit. C'est oncle qui est papa, non? Max, on a mon cœur, ouais. Hein? Maintenant, vous l'abandonnez. Maintenant, vous l'abandonnez. Yikoukou. Yikoukou, Amenoya. Notre père vous a vaincu. Notre père vous a vaincu. Les morts ne pactisent pas avec les vivants. Si vous la voulez, je vous la donne. Si vous voulez un bon poulet, je peux le rendre disponible pour vous. Mais si vous êtes venu ici pour du sang, vous manquez. Ferme-la. Laisse-moi te dire quelque chose. Un homme qui connaît quelque chose sur la main de son prochain payera de son sang. Homme satané qui mange l'argent du sang. Vous êtes Oudé et je suis Ikoukou, le vainqueur. Vous êtes un mort et je suis un être vivant avec des grands pouvoirs. Tais-toi, quel pouvoir? Hein? Un pouvoir qui est parti. Parce que tu t'es déjà sali les mains avec le sang des innocents. Ferme-la. Non, c'était vos propres frères. Ils sont venus dans ma cabane. Hein? Et m'ont supplié de le faire. Et tu les as aidés à le faire. Tu les as aidés à me tuer. M'envoyer en enfer. Je vais te dire de quoi je suis capable. Parce que je t'enverrai au même endroit que tu m'as envoyé. Hein? Hein? Pardon, ne me tuez pas. Que voulez-vous de moi? Hein? Oh non! Hé hey, Max, c'est ce qu'il a fouetté à mort. Hey, ah. Mon intègre doc. Hein? Max, cette affaire devient sérieuse. Oh. Jesse, hein? Ce n'est plus une simple chose. C'est notre défunt frère. Doudé, il essaye de se venger de nous. Wallo, wallo. Ainsi, tu as fini par avoir totalement le contrôle sur ce dossier. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Et laisser la richesse de mon mari à ses dévoreurs? C'est pas possible, il fallait que je le fasse. De plus, tu sais que je l'ai toujours désiré, même quand mon mari était encore en vie. Oui, je suis sûre que tu as finalement fait ce que tu voulais faire avec ton feu mari. Oh, s'il te plaît. Oudé était un parfait illettré, il n'y avait pas moyen que je supporte cela. Comme si tu ne le savais pas. Hein? Bien, je suis très contente. Je suis contente que tu sois finalement heureuse. Regarde tout ce que tu possèdes. Oui, oh.
Oui, ça me rappelle. Nous planifions de commémorer les 6 mois de décès de mon mari et apporter des contributions pour la messe. Waouh, tu es une bonne fille, je le dirai. Merci, merci. Tu sais, je veux que les gens nous voient comme des gens bons et authentiques. D'accord. Le révérend père vient également ici pour que nous puissions en discuter avec lui. Oh, c'est bien. Tu vois, il est important de partager ses biens avec la société et spécialement avec l'Église. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Que pouvons-nous y faire? Hé, pourquoi tu cours comme ça en te poursuivant? Agui, que se passe-t-il? Pourquoi cours-tu partout? Comme un rat qu'un chasseur harcèle. Donc tu veux dire que tu ne vois pas tout ce qui arrive dans ce village, n'est-ce pas? Nawao, j'ai entendu que Okiki est mort. Ils disent que c'est l'esprit de Mazude qui l'a tué. Et Kokudon meurt aussi. Et ils ont dit que... Ils ont vu ce même Ken. Quand ils ont dit que Mazuke est revenu pour les tuer. Ah, donc c'est cet homme qu'on a vu quand nous partions à la rivière. Lorsqu'on lui a dit que son frère, ils nous ont traités de folles. Et nous, before encore. Pourquoi cet homme a décidé de commencer à tuer les gens comme ça? Dans ce village, non. Peut-être parce que ces personnes aussi sont des tueurs. Non, je ne te crois pas. Cet homme était très mauvais. Avant qu'il ne meure et qu'on l'enterre, c'est comme ça qu'il faisait. Tu n'étais pas là. Nawao. Pardon, je peux avoir un peu dans la maison? Il y a de l'eau à l'intérieur. Va boire du tapioca. On va tout voir dans cet endroit où... Bienvenue, chérie. Bienvenue. Ah, mon père, vous êtes la bienvenue. Oui, merci beaucoup. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et également avec vous, père. Mon père, vous êtes le bienvenu. Sois béni, ma sœur. Qu'il vous bénisse aussi. Alors, sœur Suzanne, comment est-ce que ça va chez vous? Ah, nous donnons toute la gloire à Dieu. Merveilleux. Il est digne de toute la gloire et de tout l'honneur. Oui. Nous bénissons son saint nom. Amen. Amen. Oui. Donc, mon père, voilà ce que mon mari et moi, nous avions planifié. Nous allons donner à l'église la somme de 1 million de naira, mais également faire la célébration à la mémoire de mon défunt mari. Magnifique. L'église continuera à prier pour votre famille. Amen. Mais je dois dire, c'est mieux maintenant avec le frère Dan que lorsque vous étiez avec Oudé. Il est un homme très avare, vraiment très avare. Mais j'espère que Dieu lui a pardonné. Mon père, à la différence des personnes, il y a des perspectives différentes. Ok? Donc nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un à cause du comportement de l'autre. Oh oui, ma sœur. Mais vous savez, la Bible dit... L'homme qui retiendra, c'est bien plus qu'il en a besoin. Rencontrera la pauvreté. Après tout, la richesse des gentils est gardée pour les justes. C'est exactement ce que je veux dire dans ce cas. Alors, sœur Suzanne, je vais joyeusement recevoir les 1 million de naira au nom de l'église. Merci, mon père. Merci, mon père. Soyez béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Max, hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, je sais pas. C'est clair pour moi maintenant que Mazuke est notre de plein frère. Bande de nous tous. Tu sais que c'est un esprit. Et les esprits peuvent voir partout. Ça me fait encore plus peur. Ça me fait encore plus peur. Mais ça, c'est la vérité, oh. C'est la vérité. Tu vois, la meilleure chose à faire pour nous serait d'aller sur Suzanne et confesser nos péchés. Et lui demander de nous pardonner. Point final. Ça, c'est la meilleure chose. Comment est-ce qu'on va arriver à faire ça avec ce gardien stupide qui est au portail? Est-ce possible? Moi, je suis tellement désespéré au point où je suis prêt à tout faire pour entrer dans cette concession. On va s'en prendre de portée. Hein? On va s'en prendre de portée. Nous allons le battre. Et nous entrer dans cette concession. Écoute, nous devons faire ce que vient de te dire maintenant. C'est un très bon plan. Oui, oh. Allons-y maintenant. Oui, allons-y. Allons-y. Allons. Zaza. Tu n'es que lui. Hein? Oga. Tu n'es pas mort. Je veux voir madame. Hey, écoute ça, Bello. Elle est bas, madame ou non? Madame.
Elle est belle, madame, non? Oga? Soyez bénis. Amen. Le Seigneur vous bénira. Amen. Merci, mon père. Il bénira vos générations. Amen. Vous ne manquerez jamais de rien. Amen. Dans le saint nom de la Mère Marie. Sainte Marie, Mama Chineke. Je te chasse au nom de... Hey! Machanu, Père Ojo. Tu es corrompu. As-tu déjà vu là un prêtre corrompu chasse les esprits? Hein? Ton esprit est bien corrompu jusqu'à ce que tu encourages les gens qui m'ont tué juste pour prendre mon argent. À cause de mon argent, c'est que j'ai de prendre ça. C'est pour ça que tu payeras. Tu payeras. Hey. Mets-toi à genoux. Et viens te mettre à genoux ici. Tout de suite. Tu n'entends pas? Je dis viens te mettre à genoux ici. Viens te mettre à genoux ici. Irodi. Ce qui je dis, mets-toi à genoux ici. Inéné. Tu entends ce que je dis? Allez, viens. Un genou. Ekwensu. Susanna. C'est toi que je suis venu chercher. Oh mon Dieu, je suis fini. Suzanne, as-tu vu ce que j'ai causé? Mitchum. As-tu vu ce que tu as causé, Suzanne? Mitchum. Mon frère Odé. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis innocent. C'est elle qui m'a entraîné dans toute cette histoire-là. Hein? S'il te plaît, mon frère Odé. Et tu n'as pas pu dire non? S'il te plaît. Tu ne sais pas dire non? Hein? Je n'essaie pas de me poser à ta position. Oh. S'il te plaît, accompagne-moi. Quoi? Bori Kouregui. Achino, approche ici. Ici. Je suis mort. Approche ici. Approche-toi. Mon bon mari. Ma merveilleuse épouse. Je suis désolée. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Mon bon mari, c'est la cupidité. Mais Chano, et c'est cette cupidité. Cette même cupidité qui t'amènera à voir le diable aujourd'hui. D'accord. À genoux. Ok. Je suis déjà morte. Non, tu n'es pas encore morte. Ne meurs pas encore. Parce que toi et moi, irons en enfer ensemble. Toi et moi, irons ensemble. Oui. Mets genoux. Tais-toi. Ferme-la. Va en enfer. Wanyaja! Unoya! Seigneur Dieu! Pardon! Donne-moi juste encore quelques minutes! Juste le temps additionnel! J'ai deux personnes que je veux voir avec mes deux yeux! Je veux les voir avec mes deux yeux, pardon, s'il te plaît. Hey, que vais-je faire? C'est pas possible. Maxilo. Je t'en prie, mon frère, je ne suis pour rien, je suis une personne timide. Hein? Je suis très timide. Quoi, le gars, ne remourra pas. La femme! De cupide. Oh, Dieu de la géographie! Oh, la fin de ce monde. Ciao. Grand frère, et vous m'avez dit à genoux. Ici, à genoux. Ici, à genoux, à genoux. Viens ici. Mets-toi à genoux. Couche-toi. Dans les bras. Dans les bras.
Hey, Susanna, I come out to you, you know, tell her. Ciao, I'm good.